rempli de mensonges à temps plein. Le problème qu'on vit, c'est que toute la gang, les politiciens, les députés, les médias, les maires, les artistes, sont tous esclaves les uns des autres. Nous, on est dans l'amour et les bonnes vibrations. Moi, j'aimerais vous donner des conseils ou que vous donniez des conseils à des proches. Arrêtez de consommer tout ce qui est négatif. Tout ce qui entretient la peur, tout ce qui est messages médiatiques, journalistes ou sur des blogueurs sur les médias sociaux ou des gens qui vont en contre-courant, ça ne vous donne rien d'aller vous nourrir de ça. Allez vous nourrir de gens qui ont une influence positive sur vous tous. J'aimerais faire un message d'amour à tous les journalistes du Québec. Sincèrement, les Martineau, les Dumont, les Facal, Bombardier, Lagacé, Arcan, Drainville et tous les autres, pour le vrai, vous êtes tous des gens talentueux qui avaient gravi des échelons. Mais comme les présidents américains, après 8 ans de service, vous devriez être obligé de passer à autre chose, car le système vous contamine. Je vous envoie de l'amour à l'infini! Il est important que chacun de nous continue de croire, de visualiser, de suivre des influenceurs positifs. Écrivez vos intentions et élevez tous et chacun votre fréquence. Suivez son intuition plutôt que la masse. Je suis déjà allé au Centre Bell. Il y avait un line-up de 30 personnes devant une porte. Il y avait une porte à côté, il n'y avait personne. J'ai passé à côté de la file de moutons. Je suis arrivé devant la porte, elle s'est ouverte, puis j'étais le premier passé. Restez unis, restons unis. Comment qu'ils disent ça? Un peuple uni, toujours sera vainqueur. 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 Liberté! Toujours sera vainqueur. Liberté! Toujours sera vainqueur. Liberté! 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 Un peuple uni, toujours sera vainqueur. C'est notre droit fondamental à tous et chacun d'être pro-choix. On n'est pas des anti-masques, on respecte le monde, on respecte les pro-masques, on respecte les pro-vaccins, on a le droit de dire « Non merci, je n'en veux pas! » Ceux et celles qui sont avec nous sont venus sur Terre pour vivre dans des bonnes vibrations. Le respect, la chaleur humaine, le partage, l'entraide, la paix, et surtout, dans l'amour, avec un parfum de liberté. Je vous envoie à tous ici présents, du plus profond de mon être, mes meilleures pensées de gratitude et une dose de courage contagieuse qui nous permettra tous ensemble de faire triompher la lumière.